Et c'est le bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Allez hop. Comment allez-vous? Attendez, je mets le jeu. Mets le jeu de Rive. Mets ton bureau Windows. On voit pas le jeu. On va quitter. Regardez cet écran noir, il est beau. Et là d'un coup, boum, c'est le jeu. Est-ce que ça rame? Où ça rame? Oula, 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 là, là, là. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Que vous avez passé un bon début de semaine, que vous allez surtout passer une bonne fin de semaine, parce que c'est ça qui est important. C'est la fin de semaine, le début de semaine, on s'en fout. Alors là, je suis dans l'endroit du ramage et du plumage, probablement, où je vais me faire plumer par de vilains orques. Allez, installez-vous, on continue ce soir, second épisode, la liaison dangereuse du RPG de l'été. Salut, salut Babi, salut Nigma, salut Rashgard, salut Arxas, salut Enya, salut Falvega, salut Kenshi Master, salut tout le monde. Je ne citerai pas tout le monde, bien évidemment, ne soyons pas fous. Donc second épisode, on continue ce soir notre aventure sur Gothic 3, dans la peau de Jean-Jacques le Barbare, équipé de sa belle épée et de son arc de Clodo, qui lui sert exclusivement à ne rien envoyer parce que je crois que je n'ai plus de flèches. Si je dispose de 10 flèches enflammées, équipons-les sans plus tarder. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, comme on dit. Alors, on en était où? On en était où? On était arrivé au village de... Comment il s'appelait ce village? De Racklashloop 2, de Candon, le petit village de Candon, situé au sud de Montera. Et d'Ardea, de petites bourgades, ma foi, très sympathiques. Je mettrai les VOD sur YouTube, Kayen, ne t'inquiète pas. Voilà, donc nous allons eh bien, tenter de nous affilier à la faction des orques, car je pense que je serais un esclavagiste dans ce jeu. Ouais, l'humain ne mérite pas de vivre. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez des êtres humains? Moi, je pense que dans Gothic, tout n'est pas rouge, tout n'est pas noir, tout n'est pas vert, tout n'est pas bleu. Tout est quadricolore, comme on dit. Donc voilà, donc le Cap Doudoun, ça va être notre prochain truc. Donc lui, on lui avait parlé, c'était un marchand. Lui, je crois, Cyrus Black. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Le micro, ça va? Il n'y a pas de souci, le son du jeu, c'est tout bon? Je pense que oui. On va aller parler à Monsieur Céruc, qui m'a proposé un travail. Allez, parlons à Céruc. Quelle sorte de travail? Tiens, j'ai mis le patch aussi. Dans l'entrepôt d'Ourcras se trouvent quelques coupes en or, qui doivent servir à financer l'achat de nouveaux esclaves. Si tu t'arranges pour parfait. Faire disparaître ces coupes, je t'apprendrai à crocheter les serrures. Mais voilà qui est intéressant, dis donc. Le son, c'est mieux que JVTV tout à l'heure. Ah, bon, bah c'est pas mal alors. Pourquoi devrais-je commettre des larcins pour toi si le bulletin ne t'intéresse gay aucunement? Pourquoi devrais-je commettre des larcins pour toi? Faut que j'arrête de lire hein, ce qu'il dit. Il le dit derrière, c'est très con. Nous, les voleurs, sommes toujours à la recherche de personnes maîtrisant mieux notre art que nous-mêmes. Qui sait? Peut-être pourrais-tu même m'enseigner quelque chose? Allez, on va dire oui, parle-moi des voleurs. Parle-moi des voleurs. Nous sommes partout et nulle part. Nous sommes l'ombre, nous sommes la nuit, nous sommes le Batman. En règle générale, nous savons presque instinctivement où se trouvent les marchandises intéressantes. Et nous sommes toujours prêts à monnayer notre savoir. Comme c'est sympathique. Comme c'est sympathique. Voilà pourquoi je suis devenu un voleur. Voilà pourquoi je suis devenu. Comment puis-je connaître les tiens? Reconnaître les tiens? Ils sont tous chauves, apparemment. Tu ne reconnaîtras les individus de ma caste que si tu... Bah si, vous êtes tous chauves, les mecs, vous êtes cons. Étrangement. Je m'attendais à une telle réponse. Non mais c'est vrai en plus, il est chauve. Regardez, l'autre mec là-bas était chauve aussi. C'est marrant, j'ai l'impression que le jeu est moins fluide. Que se passe-t-il? Est-ce que ce serait le patch que j'ai mis dessus? Est-ce qu'elle ferait chauffer ma 1080 Ti? Je ne sais pas. Regardez, il est quasi chauve lui. Non, il a un peu de cheveux. Il y a une espèce de bande de dérapage de cheveux, la gamale. Il est chauve, il est louche, forcément. C'est ça. Donc, alors attendez, on a qui? On a Arek. Que veux-tu encore? Fiche-moi la paix. Et je ne te veux rien, Arek. Je veux des choses de toi. Alors, attention à ne pas trop s'approcher des orques. Oui, c'est moins fluide, on dirait. Ah, mais carrément. Pourtant, je suis à 60, mais c'est le jeu qui n'est pas fluide. Bon, alors attendez. Est-ce qu'au moins, techniquement... Oula, 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 ça c'est normal, le stuttering. Est-ce que techniquement, c'est plus joli? Oui, on a perdu le voile. Écoutez, on va faire avec. Hein. Si jamais ce soir, c'est pas trop fluide, ça va. J'ai vu pire. Ouais, ouais, on a perdu le voile de flou. Et le voile de flou, c'était moche. Par contre, c'est un peu moins fluide, c'est étrange. Ok, très bien. Donc, alors, admirons sans plus tarder notre journal de caste qui commence un petit peu à être débordé. Des plantes médicinales pour l'alchimie, ça on l'a fait. Vends-moi tes potions. Non. Des pots. Des pots. Mais on l'a fait, les pots. Attendez, les pots pour Jens le chasseur. J'avais pas amené les pots à Jens. Attendez, bonjour Jens. Dis-moi où puis-je trouver les plantes de soins par ici. Ah voilà, déjà quelques pots pour commencer. Voilà déjà quelques pots de loup pour commencer. Très bien. Fais voir.
Mais il n'y en a pas assez, apporte-en d'autres. Eh mais connard, j'en ai récupéré au moins 10, salaud. Dis-moi, où puis-je trouver des plantes de soins? Dis-moi, où puis-je trouver des plantes de soins par ici? Tu en trouveras peut-être en allant plus haut dans la montagne. Fais attention de ne pas finir mec. Dans l'estomac des loups. Ah bah si, justement, je veux tuer les loups. Le jeu est limite canon, n'empêche maintenant. Ah non, mais le jeu est splendide. Le jeu est une beauté rare venue des îles. J'ai mon épée ou pas? Attendez, non, j'ai pas mon épée. J'ai une faux. Fallait pas que je prenne la faux, fallait que j'appuie sur la touche 1. Remplace la faux par l'épée. Put off your sword and go kill some wolf. Wolfies. Non, non, on l'avait pas fait, Enya. On n'avait pas fini la quête en fait. Allez, range ton épée. Salut, Cricri. Il faut que je trouve d'autres loups. Allez, go. Je sais pas s'il y en a ici. Je suis pas convaincu, hein. Je suis pas bien convaincu de la présence de Lupus Draconus dans la zone. Hop là. Il faut qu'on aille finir. Parce qu'on a quoi d'autre à faire ce soir? On doit trouver les pots. Qu'est-ce que c'est que ça? La région côtière est infestée de bandits. Eh bien, allons tuer des bandits. Rapporter ces marchandises à Urkras. Ah oui, va falloir que je vole des trucs. Voler 3 gobelets d'or dans l'entrepôt d'Urkas. Mais où est l'entrepôt d'Urkas? Je ne sais pas. Dans l'entrepôt se trouvent quelques coupes en... Ah, mais l'entrepôt, c'est pas le machin qui est surveillé par l'orque? Ah, c'est possible. Ah ah. Des armes pour les rebelles. Donc ça, je dois le faire. Donc là, on a 2 quêtes de rebelles. Et apparemment, elles sont donc classées selon différentes couleurs qui représentent probablement les différentes factions. Donc, on va déjà se concentrer sur les loups. Allez, hop. On a... des orties de feu. C'est le nouvel Elder Scroll sur Switch, oui, exactement. En 8 fois plus joli. Donc Jens est là. Adam Jensen, bien sûr. Et... ah oui, alors... tiens, c'est du loup, ça. Oula, ça rame. C'est du loup mort ou pas? Est-ce que c'est du loup mort? Je crois que les cadavres restent dans ce jeu. Putain, ce patch que j'ai mis a foutu le dawa. C'est le patch de l'enfer. Ouais, c'est y a des putains de ralentissements, il est dégueulasse, faudra que j'enlève. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 le patch nul. Mais il y a des cadavres partout. Oula. Une feuille d'orge. Ouais, les corps restent sur le jeu. C'est ce qui fait ramer, en fait. Le patch augmente la distance de vue et... et augmente sans doute la densité de végétation, mais je pense pas que le jeu soit adapté à ça. Alors, je pourrais faire un truc, si le cœur m'en disait, je pourrais tuer ces orques. Apparemment, ils ne sont pas liés à une faction. Voilà qui pourrait être intéressant pour récupérer des trucs de quête. On va save, on va tenter. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, je sors mon arc. Non, je remets pas mon arme au fourreau, je vous défonce la gueule. C'est parti. Hop là, brûle! Brûle! Merde, j'ai tiré au-dessus. Aïe, ah, c'est la douleur. Je sens l'échec. Non, c'est pas l'échec. Maintenant. Je lui ai fait 0 dégâts. Non, c'est bon. Allez, cool. Il fait des attaques tournoyantes de merde. Ça, c'est pour moi. C'est gratuit. Ok, c'est bon. On y va alors. À l'épée. Pourfends-le de ta hache. Yes, expérience plus 50. Est-ce que je loot des trucs? C'est ça qui m'intéresse. Putain, il a une arbalète, le con. Attention, il est capable de me tuer très très fort. 1, 2, 3. Bon, ça va, il est débile. Les arbalétriers sont cons. Oh, il y a une poule. Attendez, je la bute. 10 XP, la poule. C'est GG, ça. Alors, j'ai pas perdu d'expérience. Et je récupère... écoutez, 1... hein. Tant qu'à faire, on prend tout. La prochaine fois, je t'aurai. Ah, mais il est pas mort. Ah oui, c'est vrai. Il a récupéré. Attendez, il a récupéré sa hache, c'est nul. Tiens. Tu oses me... J'ose t'attaquer. Je veux juste ta hache. Merci. Crouchagat. Rien d'intéressant, dis donc. On va tuer le dernier. Je vais me soigner quand même. Et oui, parce qu'en fait, les PNJ, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment les tuer. Alors attendez, il en reste 2. Celui-là a été dépioté. Le chef est pas mort, hein. N'oubliez pas.
Si, si, ah oui, clic gauche et 3 en même temps. Je sors mon épée. Et j'attaque lui. Voilà, c'est bon. Oh, le maître m'a vu! Merde! Le maître des démons! Démons, fuyez! Aïe, 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 ça fait mal. Vas-y, attaque-moi. Ok, il m'attaque au point. Et si je tuais le maître, histoire de lui voler son épée? Ok, et de 1 en moins. Démon, meurt! Hop là, range la lame. Francis, la lame. Et soigne-toi. Ah, j'ai plus de potions. Ah, c'est la loose. La boule de feu. La boule magique. Bonjour. Salut, Top Cake. Tiens. Brûle. Il me reste encore une potion. Une boule de feu. Ok, j'ai mal visé, mais j'ai visé quand même. Et voilà. Allez, viens. Non, merde. Oh, c'est bon, il est mort. Enfin, il est pas mort, il est évanoui. Clic gauche et droit en même temps. Ah oui. Ouais, mais moi je vais mourir si je fais ça. On peut les planter. Salut les nazes. Tiens, je tue vos poulets, ça me fera 10 XP. C'est gratuit. Hop là, je grid un peu d'XP. Et maintenant je me casse. Quel petit enfoiré. Salut Undertaker. C'est bon, ils sont partis. Ah non, ils sont pas partis. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Et ce patch de la mort qui me fait ramer du cul. Ah, ils me suivent. Ah. Salut Karji, heureux. Bon anniversaire Karji. Karji ce soir a 29 ans. Une grande date pour lui. Souhaitez-lui un bon 29 ans. Alors attends. Parce que là, un coup, je meurs. Ils ne veulent pas. Putain, ça rame. Je déteste ce patch. Pourquoi j'ai fait ça? Jamais. Jamais. Vous ne m'aurez pas. Est-ce que je grid un coup? Je grid Ania? Putain, je peux le faire, messieurs, dames. Non! Ah, j'ai pris un coup. Range ton arme et rentre chez ta mère. Il m'appelle Mora, parce que je vous rappelle que Mora, c'est le nom des humains dans l'univers des orques. Hein. Ah là 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 là. Ils m'ont lâché ou pas? Ah oui, c'est bon. Donc, l'idée derrière ce massacre en bonne et due forme, je vous rappelle, c'était de récolter les armes des orques. Sauf que, pour l'instant, eh bien, je ne crois pas en avoir récolté en plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai des haches. Et les haches se vendent, ça me fera un peu de PO. Les armes des orques. Putain, mon perso va mourir, quoi. Faut que j'aille me reposer. Le village. Il est où, le village? Attendez. Le village de Gridania. Comment il s'appelait, ce village? Bon, au pire, on va dans le camp. Ouais, on va dans le camp des bandits. Il y avait un coffre, là? Ouh, intéressant, dis donc. Je gride ou pas? Allez, je gride. Aïe. Aïe. Personne dans les parages. Oh, un loup. J'espère qu'il va pas me buter pendant que j'ouvre le coffre. Merde, trousse de voleur utilisée. Attendez. C'est cassé ça, dis donc. C'est cassé, c'est cachère. Merde, je peux pas l'ouvrir. C'est fermé. Et je suis coincé sous la porte. Bon, écoutez. La nécessité réclame que je mange des protéines. Nous allons donc nous nourrir exclusivement de... Allez, mais fous ta viande ici. Fous, voilà. De 45 steaks pour école. Ouah, ça va, ça rend beaucoup de vie. On va tuer le loup. Bah oui, j'en ai besoin pour ma quête. Et oui, Garrojay, qu'est-ce que c'est que ce symbole sans abonnement? Qu'est-ce que c'est que ça, Garrojay, dis donc? On se fout de la gueule de qui? Ok, c'est bon. Je peux aller me faire le loup. Le perso pas vegan. Ah, pas du tout. Tiens, il y a même les plantes de soins. Je sais pas combien il m'en faut, mais il m'en faut. Tiens, le loup, c'est parti. Salut le loup. Tiens, prends ça dans les dents, vilaine bête. Je mets... Aïe, je... Tu... Ok, je te rattrape, regarde. Bam. Non. Putain, saleté de loup. C'est bon, 50. Putain, il m'a enlevé quasiment 50% de vie. Enfoiré de loup. Je récupère... Ah, même pas... Ah oui, il me faut la capacité de dépeçage d'animaux. Parce que pour l'instant, j'aurais du mal... Oh, un sanglier. Je me le fais aussi. Tiens, je mange de la viande.
Il me charge l'enfoiré. Il me charge, esquive. Putain de merde. Sors ton épée. Allez, viens. Maintenant, 1, 2, en fait, 2, j'ai pas assez de portée. 1, ça marche. Hop là. Attaque. Maintenant, j'attaque. La vengeance. Et voilà, 100 XP sur le sanglier, ça c'est fait. Y'a que de la viande, hein. Y'a que de la barbaque. Une baie sauvage, c'est pour ma gueule. Oh, un loup. Deuxième loup de la soirée. Voilà. Deux viandes et... En avant le loup, en avant Guingamp. Tu m'auras pas. Hop, en fait, c'est ça, il faut faire une attaque, attendre qu'il passe, passer sur le côté, on esquive, à la Dark Soul. Tac, 50 XP, GG. Pourquoi j'arrête pas d'appuyer sur Tab pour récupérer mon... pour ranger mon arme, mais apparemment, ça marche mal. Un feu de camp, il est grand temps, messieurs, dames, de faire cuire la barbaque. Tadada, tout. Je fais cuire ma viande sur le feu. Et c'est la classe. Ça mange pas de pain parce que c'est de la viande. Voilà, c'est bon, tout ça est cuit. Oh, c'est trop lourd. Est-ce que je peux ouvrir ce coffre? Mais non, mais reste, va. Voilà, très bien. Tout prendre. Non, je fais pas clic droit, Cayenne. Je veux voir ce que je loot. Oh là là, on a eu une trousse de voleurs. Oh, une torche, j'en avais plus, c'est le GG. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien du tout. On a la save. Salut, monsieur Menti. Ah, une ruine. Une ruine. Avec des gens, gentils ou méchants, je ne sais pas. Chris. Hey, attends. Bonjour, Chris. Qu'y a-t-il? Je dois te prévenir. L'est de Vengard grouille d'orques. Ah, mais c'est bien. Ils y sont légion. Mais c'est très... Alors, bien, je pourrais les buter. Ils ne sont guère accueillants, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils ne cherchent qu'à combattre. Ils te mettront en pièces s'ils t'aperçoivent. Ah, suceur de jappe, encore une mage, et je pense que les modérateurs vont se faire un grand plaisir de te ban quelques minutes. Donc méfie-toi, fais gaffe à ton cul. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je suis chasseur. Je vis de tout ce que je peux trouver ici, dans la région côtière. Et mais c'est un chasseur aussi? Peux-tu m'apprendre à chasser? Bien sûr. Non mais, je suis du côté des orques, Enya, lorsque je n'ai pas de quête sur eux. Il faut bien vivre, surtout en ces temps troublés. À l'est d'ici se trouve le territoire des cerfs. Oui. Si tu me ramènes la viande de cerfs, je t'apprendrai quelques-uns de mes tours. Bah oui. Qu'en penses-tu? Mais je suis totalement d'accord, monsieur Chris. Christopher Nolan, Nolag. Tu vis seul ici? Et alors? Cela ne vaut-il pas mieux que d'être l'esclave des orques? Les brigands ne sont pas nés d'hier, ils attaquent n'importe qui. Il y a un endroit que tu devrais éviter. Vengard, la capitale, au nord. Ça, je m'en doute bien, oui. A envahi la ville. Oui. Je ne m'en approcherais guère si j'étais toi, l'ami. Je vois. Alors ensuite, le nom d'Ortega te dit... Moi, je sais qui Ortega, déjà. Le nom d'Ortega te dit-il quelque chose? Bien sûr, tout le monde connaît Ortega. C'est lui le chef des brigands de la côte. Le repère de ces brigands se trouve dans une grotte. Ça aussi, c'est intéressant. Nouvel indice. Je comprends. Et ça, c'est cool, parce que vous voyez, c'est le genre de RPG qui vous donne les directions et des indications claires. Et non pas, il n'y a pas de point sur la map, il n'y a pas de flèche sur une boussole, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de trace, comme par exemple dans The Witcher aussi. C'est au nord-est d'ici, donc il va falloir s'en souvenir. Et ça, c'est cool. Moi, je préfère les RPG de ce type-là, quitte à chercher pendant des heures. Je te rapporterai les carcasses de fer. Je te rapporterai les carcasses des cerfs. Bien. Mais sois prudent. Prudent de si quoi? Si les orques te repèrent aux environs de Vengard, la capitale, c'est que tu es allé trop loin. Compris? Compris. Ok, très bien. Y a-t-il un moyen d'éviter les orques, tiens? Y a-t-il un moyen d'éviter les orques? Ne songe même pas à atteindre le col au-delà de Vengard. Là-bas, tu y rencontreras encore plus d'orques. Tu pourrais essayer d'atteindre Faring, mais pour cela, tu dois rester aussi loin que possible des orques. Ah bah on est tous un petit peu des enfants de Morrowind. On est tous au fond des enfants de Morrowind. Chanson qui est connue, hein. Ah mais putain de patch. Mais pourquoi j'ai mis ce patch à la con de merde? Oh, j'ai plus de stuttering qu'avant. C'est... Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Putain, faut que j'enlève. Et je peux pas l'enlever parce que ça nécessite de quitter le jeu, que je retélécharge le jeu. Enfin, c'est une horreur. Bon, on va save. Ah, la grotte est là. Vous voyez, nord-est. C'est pas là du tout, mais bon, on va dire que c'est la grotte. Tiens, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un cerf. C'est un cerf qui est pour l'instant pas vidé. Je lui cours après.
je lui cours après et je le bute. C'est le GG. Ok. Vous avez reçu 2 viandes de cerf. Ah oui, mais j'ai pas les compétences de chasse. Putain, un loup qui... Oh merde, il y a du monde. Ouh là là. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va tuer l'un des deux charognards. Pas tous, hein. Voilà. Celui-ci, là. On va tuer Kevin le... Voilà, Kevin le charognard est mort. Ensuite, on affaiblit le loup. Doucement. Non, j'ai dit, on affaiblit le loup dans le cul. Voilà. Un petit coup ensuite. Et un dernier. Et le loup est mort. Et on tue le charognard. Et c'est de l'XP gratuite. Et ça, c'est le GG. On a une viande crue ici. On a une viande crue là. Et on a des choses. Le coffre, est-ce que je peux l'ouvrir? Ah! Une nouvelle épée. Un anneau d'endurance. Endurance maximale plus 10. C'est bon, ça. Je prends. Je prends directement et j'équipe. Est-ce qu'on peut équiper plusieurs anneaux à la fois, Jean-Jacques? C'est où les anneaux? Équipement. Pas là du tout. Merde. Les anneaux... C'est là. Ah oui, apparemment. Et t'as 10 doigts, t'as 10 anneaux, non? C'est ça? Salut Dragibus. Oh putain. Oh merde! Il y a un peu de monde. L'arc. Allez, venez. J'y vais d'un pas alerte. Et j'attaque. Voilà, GG. J'ai complètement loupé mon tir. Ok, de deux. Et maintenant, je suis capable de me les faire par meute. Un coup. Ok, on évite. Un coup. Oh merde, en fait, faut que j'attende qu'ils attaquent les 5 à la fois. Ils sont que 4, mais c'est pas grave. C'est chaud. C'est chaud, c'est tendu. Ah mais merde. Non, c'est beaucoup trop tendu, je peux pas les faire. Allez. Merde. Oh non, je vais crever. Ok, 2. GG, je sors mon arc, on les finit. J'ai pris la confiance. Ah, j'ai plus de flèches. Merde, je bande mou. Ah. 1, 2, parfait, maintenant. Wow, jeune homme. Calmez-vous. Non, Enya, je refuse d'utiliser la technique du rocher, je mange de la viande. Voilà. Et je ressors mon épée. Et attention, il y a un scaramouche. Maintenant. Yes. Plus que 2. Plus que 1. Voilà. Et là, je lui fais une méga attaque chargée. Attention, fais pas le con, Maurice. Philippe. Jean-Jacques. Esquive. Maintenant. La dernière. C'était la dernière attaque. Et tous les loups sont tombés. Bye bye, mais j'ai pas la compétence pour récolter les peaux. Je ne peux pas récupérer de peaux. En fait, je fais un massacre dans le vent, puisque les peaux, comme je vous dis, il me faut la compétence de dépeçage. Et actuellement, je ne la possède pas. Nous avons quoi? Mais, par contre, je peux looter des peaux à même le sol, dans les villes, par exemple. Donc, nous irons dans la ville. Et, dis donc... C'est rempli de coffres ici, mais c'est génial. Mais pourquoi tu les tues alors? Pour le plaisir, Enya, tout simplement. C'est ça, le sadisme. Le sadisme. Oh merde, alors ça m'avait fait mal la dernière fois parce que ça m'avait empoisonné. Tiens, tu ne m'empoisonneras plus. Je connais les strats, tourner autour, taper. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Lootage. Lootage, pas lootage. Veloutage. Ok, donc nous avons la grotte magique. Allons voir. Une bien belle grotte. Oh, oh merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Des troglodytes. Des rôdeurs. Le rôdeur d'en bas. Oh, ça va, ça a pas tant de vie que ça. Est-ce que ça a un pattern à la con? Ça a un pattern à la con. Ok. Je vais faire une attaque chargée. Merde, pas trop chargée non plus. Hop là! Le piquage. Alors, tiens, d'ailleurs, je sais que dans ce jeu... Esquive! Dans ce jeu, pour empoisonner, il faut faire des attaques des stocks. Merde, je voulais attaquer de l'autre côté. Excusez-moi. Sinon, ça marche mal. Ok, ils sont nazes. C'est bon. Yes! 100 XP! Dis donc, je commence à rouler sur le jeu. 1, 2... Il est con, c'est bon. Hop, j'esquive. Oh! Oh, quelle belle attaque! En fait, on peut faire des espèces de parades attaques, j'ai vu. Regardez. Hop, maintenant.
Parfait, on la refait. Hop là. Quel bretteur. Quel bretteur de folie. Le public est en délire. La foule se fait dessus. Un combat d'anthologie vient d'avoir lieu sous vos yeux ébahis. Derry vient de tuer deux... Oh putain, trois. Trois créatures. Allez, viens. Un. J'esquive. J'esquive ton attaque. Tiens. Eh oui! C'est un peu le Dark Souls et Elder Scrolls, c'est ça. Il est mort ou pas? Ils ont des têtes de lézard. Ah, on peut... Oh, on peut taper les cadavres! Mais c'est absolument fabuleux. Non, attaque bien, fais voir. C'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. Un dernier, et on rentre. Allez, viens. Merde! J'ai été attaqué, il est plus fort que les autres. C'est un boss rôdeur. Non, ça va. Ok, je lui fais une attaque des stocks. Ok, elle était loupée. Ok. Loupée. Allez, viens. Oh non, salaud! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, je l'ai eu. Ah, heureusement que j'ai plein de viande. Ok, tout le monde est mort. Encore une victoire de canard. C'est trop lourd, et oui, je n'ai pas la compétence encore. Ça marche ou pas? Ouais, trop bien! On a récolté quoi? Une amulette de protection contre la glace, super! Une transmission des maladies, ouais, de l'eau, une peau de bison, une peau de Chun-Li. Oh, saloperie de Babi, elle quitte le live pour aller jouer à ce jeu tout pourri? Merde! Oh là 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 là! Tout ça pour aller faire un jeu avec un chara-design dégueulasse! GG Babi! Bravo. Ah mais la grotte est pas finie en fait, si. Non, si elle est finie, je suis con, c'est le retour. Ouais, fuis donc. Un excellent jeu, tout de suite les grands mots. Un jeu correct, dirons-nous. Allez, fuyons. F5, je save. Bon, on a pas de loup, hein. Est-ce que j'aurais moyen peut-être d'investir des points de talent dans la capacité de dépeçage? Il faudrait que j'achète, hein. C'est où? C'est là. Dépeçage d'animaux, compétences de chasse requises 125. Et j'ai actuellement 103, donc il faut que j'achète des compétences de chasse. Ouais. Requiert chasse silencieuse. Les héros peuvent s'approcher furtivement. Mais c'est vachement cher! Mais je peux pas, moi, acheter ça. Il faut que je dépeuse des loups, déjà. Ok. Je ne crèverai pas, Babi. Maintenant. Allez, viens. Yes. Alors, on s'approche de la capitale de la cinématique de départ avec la bubule magique et les orques. Donc, faut pas trop que j'aille près parce que sinon, je vais me faire défoncer la gueule. C'est cassé, ça. Ça dépasse. Oh putain, il y a des orques. Regardez, il y a des orques qui pop. Avec mon patch, hop, il disparaît. Et il réapparaît. C'est magique. Est-ce que, à votre avis, il y a moyen de foncer sur eux? Parce que là, il y a un coffre. Je peux voler? Ouais, c'est beaucoup. Bonjour les orques! Je suis votre ami. Oh merde! Ah oui, mais pas du tout! Ah non, eux, ils sont méchants. Oui, Mora. C'est bon, j'ai eu peur. Ok, donc ça pue du cul. Racine de soin, tiens, ça c'est bien. Le petit coffre. Mais, j'avais déjà fouillé. Possible, me dit le chat. C'est pas vraiment clair. Oh merde. Oh bah là, écoutez. Oh non, ils sont encore plus nombreux que tout à l'heure. La fuite est une très bonne solution. Jean Rouscasse, comme on dit. Une maison. Bon. Oula, le son déconne aussi. Hein. Je sais pas ce qui m'a fait ce patch, mais c'est de la merde. Hein.
Oh là là, mais quelle maîtrise du combat! Quelle maîtrise, il enchaîne les cibles! Allez, mourez, mourez. Meurs. Et meurs. Et tu meurs au cerveau et tout ce que tu veux. Mais pourquoi m'en veulent-ils? Parce que c'est les orques qui ont envahi la ville. En fait, il y a des factions d'orques, si tu veux. Regardez le son. Ouais, non. Patch, définitivement, je l'enlève après ce stream. Il y a des factions, et eux, c'est les factions des méchants qui s'en sont pris aux gentils humains. Ah, des bandits! Ah, les bandits, j'aime bien, parce que du coup, je devais en tuer. Attention! Oh putain, l'arbalétrier, il peut peut-être tuer son pote. Regardez, si je le place bien en face de moi... Non? Apparemment, non. Bon, on va s'occuper d'eux d'abord. Toujours les guerriers à distance. L'archer! Meurs! Putain, il y a moyen d'utiliser le sort du contrôle des baits. Est-ce que je peux le faire? Non, il n'y a pas de bêtes dans les parages. Putain, je pourrais faire ça. Je pourrais leur retourner les loups. Un serpent! Des loups! C'est parfait. On va tenter quelque chose de complètement épique. Loup, tu seras mien! Merde, c'est pas ça du tout, en fait, comme sort. Merde, j'ai tout aggro. Ah, c'est la loose! Ah si, c'est bon! Merci les loups! Et c'est stylé! Hop là, et ensuite je tuerai... Je vais aller tuer les archers déjà. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Tu m'auras, mais c'est pas grave. Allez, viens. On croise le fer. Et c'est la parade. Ok, je pense qu'il y a moyen que les loups fassent le boulot pour moi. Ils ont beaucoup trop de vie. Ils se défendent trop bien. Yes, c'est bon. Merde, faut que je me soigne. Courez! Courez, planquez-vous! Voilà. Une viande. Et une deuxième viande. La technique de lâche. Et une troisième viande, vous me touchez. Oh merde, il me touche quand même. Tiens, regarde. Ok, j'en ai eu un. Oh, je l'ai coincé. Je le bourre. Oh. Tiens, l'attaque. Oh. Oh putain, je l'ai planté. Oh, c'est trop classe. Putain, en fait, ils avaient des bonnes animations hein, pour l'époque. Hein. Regardez. Merde, là, j'ai loupé. Mais quoi qu'on... Regardez, quoi qu'on dise. Hein. Hop là, il va mourir. C'est pas mal, ça, comme technique. Le pipique. Attention à ma vie. Et niveau gagné, 50 XP. Attention, ma biche! Putain, c'est un bandit. What the fuck? Putain, c'est un bandit à la con et il a un bouclier. Je suis un peu deck quand même. Non, 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 ne meurs pas, Derive! Ne meurs pas, ce serait dramatique. Faut que je me soigne. Pas un pas de plus. Ok, pas un pas de plus, ça m'arrange. Il arrive. Il arrive, il arrive, esquive! Cours! Mais va te faire merde, pute! Ils sont combien? Ils sont nombreux? Yes! Ok, le dernier, tout va bien. Non! Putain, mais même eux peuvent me... Oh, les salauds! Même eux, ils peuvent me faire des coups d'estoc. J'ai pas de potion! Je dois manger de la viande en combat. En fait, c'est assez mal fait parce que vous voyez, je me refais. Non, c'est bon, il m'a loupé. Hop là. Ça va qu'ils sont très lents. Maintenant. Maintenant. Ah ! Et oui, et c'est un tonnerre d'applaudissements. Et c'est surtout un tonnerre de loot. Tonnerre de Brest aussi. Est-ce que je peux dormir sur leur paillasse ? Apparemment, non. Intéressant. Une épée rouillée. Putain, je peux trop y aller, je peux tellement tout looter. Ah, c'est trop bien. Loot l'épée. On ira tout vendre au forgeron. Tout prendre. Perfecto. Les loups sont morts aussi? Oui, les loups sont morts, c'est très bien. Ils sont où les petits loups? Ah non, ils sont pas morts. Ouh, attendez, il en reste un. Je vais me le faire. Le sanglier d'abord. C'est important. Attention, hein, pas entre les deux. Voilà. Un PV sur le sanglier, le loup l'achève, et on tue le loup.
Comment ça, je peux pas le toucher? Allô, loulou? Et voilà. C'est tellement cruel ce que je suis en train de faire. C'est salaud, hein. Utiliser comme ça la nature, alors qu'ils se battent entre eux avec honneur. Moi, j'arrive et bouf! Coup d'estoc dans le dos en traître. C'est à la fois méchant, petit, cruel, tout ce que j'aime. Bon, on est pas mal, hein, ce soir. On est pas mal du tout, niveau, en tout cas niveau, niveau XP, niveau combat. Faudrait peut-être que j'aille dépenser tout ça. J'aime le bruit des loups qui souffrent au petit matin. Un petit bandit. C'était un infin. Il a un gourdin. Ouais, Jean-Jacques Gourdin. Bon, alors, il est temps, messieurs, dames, de retourner un petit peu vérifier l'état de notre quête. Tu es le cerf timide. À l'est d'ici se trouve le territoire des cerfs. Si tu me ramènes de la viande de cerf, je t'apprendrai quelques-uns de mes tours. Et ça, c'est intéressant. C'était où? C'était là-bas, hein, je crois. C'était là-haut, dans le dolmen. Ouais, donc à l'est. C'est là, à l'est. Il y a des cerfs. Est-ce que vous voyez des petits cerfs? Il faut que je mange de la viande au passage. Ah si, on a la carte. Mais si je te montre l'état de la carte, ça va pas nous indiquer grand-chose. Alors, nous avons le sanglier le loup, des plantes de soins. La baie sauvage. Oh mon dieu! Une flamouche qui rame. Putain, vivement qu'on ait un bouclier, parce que là, rien ne va plus. Meurs. Un serpent. Eh hey, putain, même les serpents se butent. 10 XP les serpents, putain, c'est bien ça. Donc là, on est à l'est. Mais non, mais je vais à l'ouest, justement. Si, j'ai ramassé un bouclier Kizan, mais je ne peux point le porter, mon personnage n'a pas assez de compétences. Ah, il y a un coffre ici, on se le fait, mais d'abord on fait le sanglier. Charge. Charge-moi. Charge-moi. Quelle merde, putain. À chaque fois je gride, comme dans Dark Souls, et je me fais niquer comme un con. Hop là, de la viande crue. C'est beaucoup trop lourd. Ah si, je peux l'ouvrir. C'est cassé, ça. C'est cassé, c'est charmant. Le voilà. Donc, Chris m'a dit à l'est. L'est, c'est là. Ah, il y a des loups. Bon, je vais les laisser. Allez. Parce que je suis sympa ce soir, je sais. Putain de frise de merde. La 1080 Ti en PLS. Alors, le Discord de la communauté, oui. Ah, il y a une grotte. Ouh, intéressant. Oui, oui, il y a le Discord de la communauté. Écoutez, ce soir, je vous fais une fleur. Sweep, tu peux mettre le lien du Discord sur le... ou quelqu'un. Je vous autorise à y aller. Vous aurez un accès premium, privilégié, free-to-play, tout ce que vous voulez. Non, tu vas à l'ouest, là. Mais justement, je dois aller à l'ouest. Non ? À l'est d'ici, à l'est, tout à fait. Mais c'est pas grave. Ah, des bandits! Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Je vais te déchiqueter. Oh, voilà! Intéressant. Alors, attention, ils ont des armes à distance. J'ai jamais combattu. Oh, ils ont des movesets. Putain, ils sont complètement... complètement synchro, les cons. Ok, ils sont nuls. Ils peuvent pas se défendre. Allez, viens. Fais ton moveset. Merci, Cayenne. Pay to win aussi, là. Tu ne te défendras point. Meurs, petit bandit. Ils ont des armes à portée, pardon. Ils ont des halbards. Un riz reçu, une épée. Un riz fonda. Non, ça ne marche pas. Ok, donc là on a une quête sur ça. Salut à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. Donc vous avez le lien du Discord, vous êtes les bienvenus, des salons vous sont réservés. Un lieu d'échange, de partage avec la communauté. Un lieu d'égalité, de rire, de larmes aussi parfois. Un jour où des grands débats se lancent. Allez-y, parlez de l'avenir de la Switch, parlez du véganisme et du féminisme. Tous ces sujets qui ne font absolument pas du tout se prendre la tête à toute la communauté. Non, parlez de tout ce que vous voulez.
à sa Play Gothic 3 tout exactement. I play Gothic or Gothic. It's a fucking amazing game. Yep. Yeah. Ok, let's go. Oh mon dieu! Ils sont nombreux, mais je suis plus nombreux qu'eux. Je suis Légion. Venez là. Pas un pas de plus. Ce qui est bien, c'est qu'on avait une quête ici. On va aller tuer le chef des bandits. Maintenant. Oh, belle attaque. Y'a moyen de l'achever. Allez, go. J'ai fait le con. J'avoue, j'ai bourré. Faut pas bourrer dans le jeu. Salaud. L'archer m'énerve. Hein. C'est bon, on va se le faire. Oh putain, il a une masse. J'aime pas les masses. Rends manger. Il m'aura pas parce qu'il est con. Maintenant. Bon, go l'archer. Jean-Michel, l'archer. Tu meurs. Et j'esquive. L'attaque de... Oh putain, j'ai loupé. J'ai envie de lui faire une petite attaque des stocks comme ça. Je trouve ça vachement classe. Oh, il a eu la priorité. Salaud. Il m'a bien fait mal. Il se défend. Il se défend bien, le fourbe. Eh oui, c'est moi qui aurai l'attaque. Vas-y. Et boum. Ah. Qu'est-ce que... Putain, j'ai tellement de points d'XP, tellement de choses à revendre en plus. Tellement plus de viande bientôt aussi. C'est chaud. La Switch est une console portable. Aveugles sont ceux qui l'appellent console de salon. Rien du tout. C'est bien ça, le rien du tout. Et Pérouillé. Très bien. Hallebarde. Merci. Putain, j'ai plein de flèches. Oh, je croule sous les flèches, attendez. 92 flèches, c'est bon, on a fini le jeu. On a fini le jeu. Regardez. Est-ce que ça le tape à travers son bouclier? Testons. Pouf! Dans le cul! Oh, qu'est-ce que j'ai bien visé! Merde, il est là. Oh merde! Come on! Alors, le jour où j'arrive à passer une attaque lourde... Oh non, ça passe pas les attaques lourdes. C'est de la merde. Allez, viens. Yes! Superbe attaque. Superbe combat parfaitement maîtrisé. Est-ce que les autres vont revenir? Tiens d'ailleurs, hier soir, j'ai joué à Final Fantasy XIV. J'ai fait 5 donjons. Est-ce que ça régène la vie de s'asseoir? Ah oui? Regardez. Tiens, bah je vous parle de mes donjons de FF14 en attendant la régène de vie. Donc ouais, j'ai fait 5 donjons en tant que tank, comme on dit, un tank. Écoutez, ça s'est relativement bien passé. Le dernier donjon, je suis tombé sur une espèce de connard qui était là, qui m'était... Ouais, vas-y, je connais par cœur le jeu, pull tous les mobs, je me fais chier sinon. Du coup, ni une ni deux, j'ai écouté ses conseils, j'ai couru comme un débile, j'ai poulé l'intégralité des mobs. On est tous morts comme des merdes, hein, d'ailleurs. Et il était triste. Il m'a fait « Putain, mais prends-en moins, machin et tout. » Je lui ai dit « Bah écoute, Jean-Louis, tu m'as dit « Prends tous les mobs, moi je prends tous les mobs. » Et du coup, il a quitté le groupe et nous on l'a remplacé tout de suite après par un autre personnage et ça s'est très bien passé. J'étais ravi. Non, j'ai toujours pas la monture parce qu'en fait, j'ai un retard de malade sur les quêtes principales. Je suis trop en avance sur le jeu. Ça fait que je suis niveau 28 et je fais des quêtes niveau 17, donc pas encore la monture. Bref, c'était très drôle. Tiens, un nouveau coffre. Mais je tank très bien. Je me considère un petit peu comme le dieu du tanking hein, pour le moment. Ouais. Ouais, je suis un mur. Rien ne me traverse. L'agro et moi, on est potes comme cochons, comme on dit. Tu ne m'échapperas pas, mais je ne... Ah, tu es là-haut! Je ne savais point où tu étais. Cela n'a rien changé. Pas durant la bataille. Cela n'a rien changé. Je peux monter, à votre avis? Attendez. Est-ce qu'on peut... Oh putain, on peut gruger. Oh, il y a vachement de monde. Et je descends. Je descends et je poule. Alors là, franchement, je pense qu'il y a moyen. On essaye. Mais complètement. Vous savez quoi?
On va se préparer à ce délicat combat. On va utiliser des sorts. Un projectile de glace, non. On va tenter la projection de maladie. Guérison à distance, on s'en fout. Lumière, on s'en fout. C'est où les maladies? J'avais des maladies. Invocation d'animaux. Dresse les animaux. Il n'y a pas d'animaux. Transmission de maladie. Par une maladie qui ralentira ses attaques. On va tenter la maladie d'amour. Donc, je vous explique un petit peu ma strat. Déjà, je cours. Il y a vachement de... C'est blindé, putain de merde! Voilà, je vais là. Et je claque la maladie. Attention, doucement. Voilà. Maladie! Ok, c'est de la merde. Va falloir se battre dans des endroits comme ça un petit peu resserrés. Je suis sûr que je peux tous les avoir. Ok, ça va être compliqué, mais je peux les faire. C'est chaud, hein. Aïe! Laissez-moi en paix! Quoi que tu fasses. Oh putain de merde! Bon, ça va être chaud. Ah, et c'est pas qu'ils sont trop nombreux, c'est qu'ils sont mal placés en fait. Non, je pense qu'en les prenant un par un. Ou alors, j'utilise à bon escient mes 94 flèches, regardez. Boum! Il est où? Pose ton arc. On teste. Et ils sont partis! C'est ma chance! Oh merde! Oh le boulet! Attendez, on va refaire la stratégie magique. La stratégie magique de la fuite! Oh, c'est qui lui? C'est le chef! Putain, j'ai l'impression que c'est le chef des bandits. Venez là! J'ai 99 flèches. Je suis invincible! Loupé. J'ai loupé mon attaque. Viens là! Hop, on esquive. Parfait. Aïe, ouïe, ça craint du cul. Ça va être compliqué, hein, je vous le cache pas que... Comment est-ce que... Va falloir que j'amène des loups, éventuellement. Ce serait pas mal, ça. Non, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Non, c'est mort. Je peux pas. Non, la boule de feu, elle a pas de dégâts de splash damage, en fait, ça sert à rien. Merde. Bon, cassons-nous. On va tenter de ramener des bêtes sauvages. Ramène des poules. Ah, attendez! Lui! Toi! Toi, Manon! Viens à moi! On va passer toute la soirée sur ça. Viens à moi, Manon, je te tuerai! Merde, il est... Ah, mais c'est Ortega! Putain, mais c'est trop le GG! C'est le mec de la quête! Trop classe! Et oui! Et c'est la victoire! Et voilà! Succès de la quête, la région côtière. Et voilà, un camp de bandits. Gourdin à Barbillon. C'est magnifique. Allez, on save. Et voilà, une mission parfaitement accomplie par mes soins. Laissons les loups. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les cerfs en ce moment. Quel superbe gameplay. Si, tu dis GG, Nia, enfin. Respecte un peu la prouesse. Dessert. J'ai pas triché. J'y suis allé, moi, j'ai cherché le contact, hein. Vous m'avez tous dit, ouais, fuis la grotte, c'est nul, machin et tout. Non, j'y suis allé. J'ai bravé moult dangers et j'ai réussi à attirer par un plan, un habile stratagème, le chef de la meute qui, par orgueil, je pense, est sorti pour m'affronter en solo, sauf qu'il ne pouvait absolument pas quitter... Il ne pouvait pas tester ma puissance. Bon, il y a plein de loups. Hein. Un dessert à la vanille. Les loups, on s'en fout. Moi, c'est les cerfs qui m'intéressent. Poussez-vous, les loups. Cassez-vous, con de loups.
Attention à mon endu, hein. Ça rame. Ouais, bah lui il m'attaque, je suis désolé, je me défends. Vaut mieux les attaquer sur la gauche, hein, les loups, putain. Merde. Aïe, merde. Mais non, mais... J'ai fait le con. J'ai fait le con, j'ai fait le débile et je vais le tuer, c'est bon. Hop là, tranchage de gorge. Ok. J'ai vu les cerfs, je vais les tuer à l'arc. Ça va faire deux quêtes. J'ai mon arc. Où sont les cerfs? Attention, il y a des orques ici, c'est pas là. Salut Mad World. Un charognard. Des guerriers d'élite, hein, ça j'attaque pas, c'est ouf. Tiens, un serpent. Est-ce que je le touche d'ici? Pas du tout. 10 XP gratuit, merci, bisous. Hop là. La petite flèche. Non plus. Bon, les charognards, tiens. Voilà, 50-50. Putain, ça paye bien les charognards. Hein. 50 XP, c'est tout à fait énorme. Un cerf. C'est bon. Furtivité. Cerf timide. Un lièvre. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Boum. 10 PO. Enfin, 10 XP. Le cerf, il est où? Le cerf timide. Je l'ai. Merci beaucoup, mon cher Garrogé, pour le resub. Je le touche. Oui. Oh, mais qu'est-ce que j'ai bien visé. Merci, Garrogé. 7 mois in euro. Ok, donc le cerf. Je sais pas combien il en faut. Parce que là, du coup... Attendez, qu'est-ce qu'il me demande? Tuer le cerf... Tuer le cerf timide. Bah, c'est bon, c'était lui. Se trouve le territoire des cerfs. Si tu me ramènes de la viande de cerf... Mais j'en ai de la viande de cerf. En principe, c'est bon. Plan de soins. J'aime les plans de soins. Ah, ce jeu n'est pas vegan. Hein. Ah là, vegan fox éventuellement, mais... Vegan, végétalien, végétanisme, tout ce que vous voulez. Non, ici, on tue des animaux par cruauté et sans conséquence. Je n'arrive pas à monter cette pente. Nous ne sommes pas dans Skyrim. Vite. Escalade. Ah non, je glisse. Ah là là. Tel un morceau de savon Dove dans une douche de prison. Ok, allons parler à Francis le chasseur. Non, pardon, Jack, c'était... Non, Chris. Christopher Nolan. Nolag. Montre-moi ce que tu... Mais non, mais j'étais pot de serre de con. Montre-moi ce que tu vends. Oh, genre, je m'en fous, qu'est-ce que tu vends? Flèche acérée. Et les ingrédients nécessaires, notre héros peut faire des flèches acérées. Acérées, tain. Pardon. Dans valeur en or. Mais pas du tout. Arc de bataille, arc militaire, arc forestier, arc long. Pourquoi... Moi, Chris, que penses-tu de cet arrangement? Oui, ça rend les quêtes tout seul, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, mais du coup, lui... Non, mais non, parce que tout à l'heure, j'ai dû rendre les peaux de loup au mec, donc non. Non, non, tu te trompes, Enya, tu fais fausse route. Donc, écoutez, on va aller tuer des cerfs, je sais qu'il y en avait dans cette région. On va retourner à la ville. Déjà, à cette ville, là, c'est bien. Pour aller se dormir, parce que bon, il faut régénérer l'endu et la vie. Les Last Ketchup, ouais. Un groupe qui a eu un succès incroyable, qui a réalisé... Oh putain, oui, attendez. On va se les faire, ceux-là. Ceux-là, ils sont bien. Voilà. Je save. Je sors mon parchemin de maladie. Et je fais du DPS. Attention, c'est parti. Cesse d'utiliser la magie. Et bah, comment ça marche? J'utilise la magie feu. C'est de la merde. Merde, il m'attaque. Quittez la route. Ok. L'arbalétrier, c'est important. Aïe, putain, lui fait vachement mal. Attention. Oh putain de merde, j'ai failli me faire tuer. Pas comme ça en pack, j'aime pas trop. Hein.
Moi, les orques, je les achète plutôt en solo, pas en pack de 12. Allez, vite, 50% de vie, c'est bien. Maintenant, esquive. Oh de merde, attention. Putain, l'arbalétrier peut me tuer, il faut que je me cache derrière ce rocher. Vite. Oui, c'est le bon sort. 2. Et on ira se refaire des potions, parce que là, c'est juste plus possible. Ça va. Non, mais il faut que je les tue, hein. Il me faut vraiment leur arme, puisque je vais pas attendre 2 ans pour faire cette quête de merde, là. Ils aiment bien faire des tourbilols. Bah oui, mais ça fait des dégâts. Je vais m'occuper de toi. Ok, un orc. Tourbilol. Attaque de merde. Attaque. Ratatake. Parfait. Allez, fais ton tourbilol. Ok. Ça touche. L'escarmouche. Et de deux. Il faut l'achever. Non, putain, il faut les achever. Tromé va se relever. Meurs. Ok. Je vais vous péter la gueule. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de les achever avec ces deux cons qui... Ah putain, je me suis pris le tourbilol. Ça fait tellement mal. À l'arc. Le problème de l'arc, c'est que... je vais me faire défoncer. Maintenant... Oh, quelle belle flèche. Et 50 XP dans la gueule. Attention parce que lui c'est un vrai guerrier. C'est un vrai guerrier de la Moria. Tu ne m'auras point. Voilà. Il m'a buté. Qu'est-ce qu'il m'a volé? Il m'a volé de l'or. Bon, c'est pas grave. Je suis pas obligé de lutter. En fait, cette arme est désormais mienne. Il m'a piqué mon arme, petit enfoiré. Tiens, dans ton cul. Je vais te tailler en pièces. Non, je dois le buter. Je dois récupérer mon loot. Allez, meurs. Maintenant. Et voilà, c'est bon. Hop. Je te loot, connard. Je te loot, connard. Je te loot, connard. Range ton arme. Je t'ai volé ton Crush Mora. Voilà, 1300. Il m'avait quand même volé 1300 PO, le petit enfoiré. Hein. Est-ce que j'ai mon arme? Tueuse d'orc. Oui, oui. Équipez-la. Sortez-la. Comment ça marche? Et on l'achève. Non, c'est bon, il est déjà mort. Ok. Par contre, est-ce que j'ai looté des pièces d'armement orc qui m'ont demandé depuis tout à l'heure? Objet magique, objet armure. C'est très bizarre, hein. Gourdin, Jean-Jacques. Écoutez. Remets ton arme au fond. Arrêtez ça, foutez. Oh putain, il est tellement... Il a tellement une grande arme, lui. Oh, il m'a buté. Salaud. Laissez-moi. Bah, en fait, le truc, c'est que les PNJ ne peuvent pas te tuer. C'était folie que de vous laisser porter des armes à vous autres, Mora. Tu vois là, les PNJ peuvent pas te buter dans le jeu, donc... Il y a moyen d'en profiter. Non, non, il y aura pas de combat. Hop, je t'empêche de tirer. Oh, le salaud. Je vais crever. Et ben voilà, ils peuvent te tuer 2 fois. Si les PNJ peuvent te buter... C'est la fin d'un homme. Adieu, Yuri. Tiens, les mauvaises langues du chat. Ouais, tu peux pas mourir et tout, t'es Jésus. Ben non, je peux complètement mourir. Musique triste et tout. C'est la fin. Mais je dois les tuer parce que j'ai une quête sur eux. Je dois récupérer des fragments d'armes orques. Et pour l'instant, j'en ai trouvé que 2. Voilà. Donc je les bolosse un petit peu et après, ça deviendra mes meilleurs amis. Mais ça va, j'avais save. Ne vous inquiétez pas. Regardez, on est juste là.
Le problème, c'est que... En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on va rentrer en ville. On va les vendre. On va aller faire un petit peu le... Là, je suis full life. Ah bah non, c'est bon, je peux les combattre. Je peux combattre. Merci beaucoup, Terra-Octet, pour le resub. 4 mois. Un petit coucou, je vous aime. Bon live. Eh bien, écoute, c'est réciproque, Terra. Nous t'adorons. Tu es un petit peu la vedette, la coqueluche de ces dames. La maladie, hein, la coqueluche, hein, pas... Ok, on tue l'éclaireur. Go. Dans la tête. Et le headshot. Allez, fuyez. Courage, fuyons. Tu m'auras pas... Putain, c'est bon, j'ai esquivé, c'était beau. Non, mais ça va, y a trop de mecs, là, c'est pas possible. Je vais me prendre des flèches. On bourre, comme la ville en Allemagne. Allez, go. Je ne m'arrêterai plus. Je suis une tornade. Ya, ya, meurs. Courez, attaquez. Tu ne mourras pas. Musique épique. Et voilà. Ça vous apprendra. Bon, j'avoue, j'ai bourré. Chrome. Merde, il se relève. Excusez-moi. Mes vieux hommes font mal, mais meurs. Et cette fois, je l'achève. Ça t'apprendra, salaud. Ah, il s'est relevé. Oh, il prend une petite potion. Bonjour. Non, 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 non. Je te bute. Mais non, mais bute-le. Mais bute-le. Voilà, bute-le. Et de deux, ça fait de l'argent. Oh, ils sont nombreux. Attention, lui m'a tué tout à l'heure. Oh, il fait vachement mal. Je bourre. Ok, parfait. Ensuite, lui m'attaque. Je rebours. Je rebours. Et ben voilà, succès de la quête, se débarrasser des patrouilles orques. Voilà pourquoi j'avais fait ça. Allez, on l'achète. Bon, j'ai... Ah bah, il est mort. Ah oui, mais d'accord, eux aussi ont le droit de mourir deux fois. C'est une technique du jeu. C'était pas clair. Donc voilà, maintenant c'est clair. On peut... Épée. Oh, cruche varoc. 500 gold. Sommairement forgé et aiguisé de façon ondulée, ça ondoie, ça ondine, ondira-t-on. Laveur, de carreau, Lean, Renault, Peugeot. Ok, c'est bon, je ne m'arrête plus. Derive.exe a cessé de fonctionner. Ok, c'est bon, je peux aller rendre tout ça, vendre surtout, parce que ça va être intéressant. Et puis on va se faire des couilles en or. Petit rythme de guitare.